Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo sur les rudiments. Aujourd'hui, on va parler des frisés. Les frisés, c'est le doigté le plus simple qui existe et c'est tout simplement une alternance droite-gauche, droite-gauche. L'objectif de cette vidéo, ça va être de travailler la régularité, d'améliorer notre dextérité et notre technique baguette et de gagner en vitesse et en aisance. Pour cette vidéo, vous allez avoir besoin d'une paire de baguettes si vous en avez, sinon utilisez vos mains en percussion corporelle sur les genoux. On va jouer au métronome. On va commencer très lentement et on va accélérer progressivement. N'allez pas trop vite. Si vous sentez que vous n'êtes plus régulier, n'accélérez pas, ralentissez un petit peu. Je vais vous montrer deux exemples dans cette vidéo. Le premier à 50 battements par minute et le deuxième à 80 battements par minute. Allez, c'est parti pour la première session en frisé. On va mettre le métronome à 50 battements par minute et on va jouer en double croche, c'est-à-dire qu'on va jouer 4 coups sur chaque temps. Fais attention à être le plus régulier possible et à rester bien détendu. C'est parti. 3, 4. Voilà, à vous de le faire tourner aussi longtemps que vous en avez besoin. Et maintenant la même chose, mais à 80 battements par minute. C'est parti. 3, 4. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Commencez à 50 battements par minute, faites tourner l'exercice aussi longtemps que nécessaire. Ensuite vous passez à 60 BPM, 70, 80. S'il y a un palier où vous sentez que ça bloque, que vous êtes tendu, que vous n'êtes pas régulier, redescendez d'un palier et travaillez-le jusqu'à ce que vous soyez vraiment à l'aise pour passer au palier suivant. Allez, à vous de jouer, bon courage!